Et salut à tous, j'espère que vous allez, on se retrouve pour le petit tournoi du vendredi. J'espère que tout se passe bien pour vous, bien sûr. Et on va attaquer, et pour ce faire, on va utiliser un ninja que j'ai monté la dernière fois mais que j'ai pas eu le temps d'utiliser. Il s'agit bien sûr du petit Gagatsu. Incroyable, mais vrai, il est là, il est présent. Donc on va le mettre juste ici, bien sûr, avec le petit Sasori qui fait plaisir. Donc évidemment, est-ce que les positions sont bonnes comme ça? Ou alors j'essaye que le Sasori soit plus embêté pour faire quelque chose comme ça, peut-être? Attendez. C'est à la disposition de... Ah, mais oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Peut-être comme ça. Oh, ça a l'air incroyable. Donc voilà le petit Gegetsu. Donc je sais que tout s'est percé. On va voir comment ça se comporte. Et puis voilà. Donc en termes de combo, c'est pas extrêmement nécessaire, je pense. Je pense que les deux vont comboter tout seul et on aura des combos de 10. Ce sera pas mal. En vérité, il n'y a pas grand intérêt selon moi à faire des poursuites pour faire des poursuites, quoi. Déjà, l'inflammation. Déjà, diminuer la résistance, ce sera vraiment pas mal. Et puis voilà. Donc évidemment, moi j'aimerais bien avoir plusieurs Suigetsu pour en mettre un avec la team Zabuza, mais bon, et un avec la team Gegetsu, parce que les deux vont très bien ensemble, mais bon. Malheureusement, il faut faire des choix, donc on va y aller comme ça. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous avons trouvé un adversaire, Otosuki ou Miki, ok. Des compositions assez étonnantes. Peut se permettre de lancer l'ulti qu'on désire. Essayer de faire ça. Nickel, ça fait le taf. C'est le Sasori qui finit. Ah, ça, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. Je sais pas si. Bon, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Ok, nouveau combat contre. J'arrive pas à prononcer son nom, Origins. Oula, oula, y a pas de. Y a pas de Naruto en face, y a un million de combattants en face tout de même, mais. Alors peut-être. Le crash tête, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Konosekai sera prioritaire dans le petit Obito, bien sûr. Et ça, c'est formidable. Oh oui, il se fait. C'est lui qui est pris pour cible, ce serait. C'est la meilleure configuration possible, bien sûr. Ok, on a plus de chakra, cependant. Le refoulement fait quand même des dégâts, hein, mine de rien. Ok, dommage. La grenouille n'est pas passée. Ok. Dégagé du chakra. Observer un petit peu les dégâts, pourquoi pas. Ok, attention, l'outil prioritaire. Ah,
c'est Gegetsu qui va manger le... C'est bien, petit regard là. Ça peut être une catastrophe. De toute façon, il y a l'ulti normal d'Obito qui va arriver. Ouais, dur. Allez, on essaye d'observer nos dégâts avec, avec Minato histoire de rigoler un coup. Je pense qu'on va repli tranquillement. Et du coup, on n'a pas pu trop voir la valeur de cette équipe. On a eu un écart de combativité trop élevé lors des deux premiers combats. Ça peut arriver. Écoutez, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite. Oula. Avec la team Zabuza. Ouais. Exactement. Bon, d'accord, très bien. Allez, on y va. À tout de suite. Escanor. Oula. Oula. Il joue quoi? Il va jouer Naruto, bien sûr, bien évidemment. Naruto qui a la priorité, c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu, c'est une catastrophe. Et bah écoutez, bien joué à lui. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Pas la PA, j'ai pas la PA. Compliqué tout de même. Oh! Est-ce qu'il y a malgré tout pas l'opportunité de s'en sortir? Est-ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas un monde où il se passe quelque chose? C'est dur. Ah, il peut faire tellement tellement tout ce qu'il veut, notre adversaire. J'essaie de lancer. Je tente un truc. Oui, d'accord. Et pas de chakra, mince. Du coup, j'ai pas pu lancer Zabuza. C'est comme ça. J'ai oublié ce petit détail, bien sûr. Qui m'a mis dedans. Ah oui, mais du coup, avec la team Naruto, machin, bon, écoutez. La team de la dernière chance, ce sera la team Gegetsu. Et puis c'est tout. Puis c'est tout. Comme ça, il n'y aura pas de... pas de demi-mesure ou autre. C'est vrai qu'on préfère que la team Naruto bah, soit la team de la dernière chance, mais bon, ce sera Gegetsu. Et si jamais jamais ça passe pas comme ça, bah, écoutez, tant pis. Et on lance tout de suite et on trouve tout de suite un adversaire. Il s'agit potentiellement d'un main foudre. Et il est, je crois qu'il jouait un Minato, etc. J'ai pas trop vu ce qu'il jouait. Dommage. Et je vous dis à tout de suite. Ok, Death Note. Oh oh. Oh. Alors. Oh. Il replie. Incroyable, merci à lui. Merci Death Note. Et j'y retourne tout de suite. Ah, Death Note le retour. Décidément, on est seul à faire le tournoi par cette heure-ci. On est peut-être dans le ventre mou du tournoi. Donc, alors, cette fois-ci, Shisui Kimono, etc. Ok. Alors, faire... Oula, ça va être compliqué. Parce que si mes souvenirs sont bons, Shisui peut interrompre. Mais Dara vole le chakra.
Donc ça va être compliqué de s'en sortir. Je tente un bouclier. De toute façon, il n'y a pas de. Il n'y aurait pas de raison de ne pas se lancer, quoique, sauf si jamais utilise un main feu avec un outil de contrôle. Donc là, je vais juste tenter l'ulti. Puisque de toute façon, si jamais ça ne passe pas, c'est le genre de truc qui. De toute façon, je pense que je suis bloqué. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est ça. J'ai trop peu de dégâts pour. J'avais trop peu de dégâts pour qu'il vole mon chakra avec la poursuite du mana. Bah écoutez, c'est comme ça. Okay. Alors du coup, je vais pas plus ressusciter, hein, puisque de toute façon, à mon avis, je dois plus avoir beaucoup de potions. Oui, exactement. Je pense que c'est pas mal en termes de positionnement, sauf si jamais il met son. Les gens mettent les carrières en. Pas en position, mais peut-être. Je sais pas. En fait, j'essaye de voir la position avec laquelle le Sasori va recevoir plus d'attaques de base. C'est peut-être celle-là. C'est peut-être celle-là. On va dire que c'est celle-là. Si on y va retourner, j'imagine qu'on va retomber sur Desno et ça va être terrible. Allez, à tout de suite. Les loups, ok. Ok. Donc là, évidemment, il faut temporiser l'agression adverse. Chokibroya. Ok, attention à l'outil d'Hiruzen. Qui va pas tarder à partir. Ok, vite, on se met en bouclier. Ok, donc là, on a résisté aux premiers assauts. Donc ça devrait le faire, hein. Globalement, je pense qu'on est pas mal. Et ouais, j'essaie d'agresser Azuma parce que c'est le prochain qui en aura un ulti offensif. Et là, vu que c'est une compression de vite en face, hein, qui m'a une zen. Voilà, la menace du prochain ulti vient sur la Azuma. Donc voilà, il avait perdu le passif de d'attaque en quand il a plus de 75% des points de vie, donc je pense que c'était pas mal. Et on y retourne. Attention. Desto, le retour, bien sûr. Ah, le repli. Merci à lui. Ah bah du coup, 5 victoires. Incroyable. Bon bah écoutez, c'est tout pour le compte de Siandre. Alors je vais vous laisser tout de suite, histoire que je puisse me connecter au compte de Siandre, puisque le jeu fait des siennes en ce moment. Lorsque je me connecte avec plusieurs comptes, bah, il plante. Donc écoutez, je vous dis à tout de suite sur le compte de Siandre. Ok, donc nous voilà de retour sur le compte de la Missiandre, bien sûr. On va attaquer avec la composition Madara, je pense. J'ai toujours des doutes sur qui est le troisième ninja. Je me demande si c'est pas la Tsunade. Ouais, je crois que c'est ça. Crois que c'est ça. Au niveau des poursuites, ça doit être à peu près ça. Donc toujours la percée des poursuites, mais bon. Que voulez-vous? Les agents protecteurs, c'était un système tellement. Que ça devient complexe. Oui, c'est bon, c'est la bonne relique. Donc au niveau des poursuites, j'ai vérifié. Et mon vieux, il vaut mieux vérifier deux fois qu'une. Et ça plante. Bon. je vais peut-être retourner très vite, hein, bien sûr. Ok, Lilou, des cœurs, de... oula, oula, ouh, oh, Obito, homme masqué, ok.
Alors ça, pour une surprise, c'est une surprise. Attends, il fait quoi, refoulement petite? Ouais, mais du coup, ah, ça doit être compliqué de d'avoir assez de moyens de provoquer le refoulement pour que le Kakashi fasse ces deux techniques de poursuite. Bon, goûter, pourquoi pas. Ah ben non, elle utilise le petit refoulement. Et ok, ouais, une invocation qui doit faire haute pour petite, j'imagine. Oui, d'accord. Okay. Pourquoi pas. Allez, on y retourne. Kikatrice, ok. Oh, ok. Ok, il joue exactement la même composition que moi. Avec le petit Zaouza qui fait plaisir. Là. Et va s'acharner sur la petite Kumade de mon côté. Honnêtement, qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour affronter cette équipe? Peut-être sur le Zabuza, je dirais. Quoique. Précise, hein, bien sûr. Au cas où il se passe des choses, donc ouais, j'ai visé le main dans le feu. En général, vu que je savais pas trop quoi viser. Bon, viser le main feu, c'était pas une mauvaise idée. Donc voilà. Ouais, on va. Vas-y, viser Rosa. Ok, boum! Ah mince, j'ai pas pu lui répondre. Bah écoutez, bien joué à toi. Alors que le camion poubelle, je sais pas si vous pouvez l'entendre, mais visiblement, il a envie de rejoindre la partie, bien sûr. Évidemment. Bon, allez, à tout de suite. Ok, alors il s'agit d'un Menfeu Lilou ou encore le retour. Bon. Ça fait un peu de peine tout de même. Ça va être le seul Jokers qu'on va avoir. Oui. Donc composition Sasuke bien sûr. J'aime beaucoup cette compo. Il faut juste ça, juste vérifier que la relique est bonne. Ah ok, la relique est bonne, étonnamment, bon, d'accord, très bien, allez, à tout de suite. Ok, Tikita, le retour, elle retour, évidemment. Nickel, le petit banana, bien sûr. Oula, mince. Ok, tout va bien, tout va bien, tout va très très bien. Ouais, allez, on va embêter un petit peu là. La petite Karine, peut-être. Poc, poc, poc. Évidemment. Évidemment, évidemment. Allez, un petit coup de Sasuke, ça fait plaisir. Et la première attaque, c'est quoi? Peut-être. Oui. De toute façon, il faut résister. Il faut rester fort dans l'adversité. Ok. On a réglé la question de la Karine. Alors, sur qui va-t-il plonger? Ok, il attaque Karine. On va la défendre un petit peu. Voilà, un petit peu plus, un petit peu plaisir. Une augmentation de cooldown parce que j'ai tapé son Madara.
Allez, on essaye d'appuyer. Ah, ça fait du bien de pouvoir lancer les ultimes d'un peu tout le monde. De pas avoir de Naruto en face. Et... Un petit Kisame qui ne partira pas. Quel dommage. Prochain tour, peut-être qu'avec j'aurai assez de chakra pour le lancer, l'ultime de Sasuke. C'est très bien. Allez, à tout de suite. Lilou, ok, bon. Ah, intéressant. Oh, les joues de Itachi soudainement incroyable. Oh, contrôle fail. On va faire Karine pour enlever ses buffs et normalement ça devrait clore un peu les débats. Bouc. Le bouc. Intéressant. Intéressant comme position, ouais. Et je comprends. C'est assez étonnant d'avoir le main haut en tant que P2. Et une couronne en P4 pour essayer de contrôler Ninja's Verse, mais bon, écoutez, pourquoi pas. Bon, à tout de suite. Ok, quitte à le retour. Alors, il joue quoi, Madara? Ok, classico classique en fait. Bonne composition comme on l'aime, bien sûr. On va essayer d'embêter un peu. Chose comme ça, voilà, très bien. Pas très bien. Il va nous embêter un petit peu en enlevant nos buffs, mais pas de problème. Pop-pop-pop, bien sûr. Ok. Je le engouche. Je le mets dans un état de peur, évidemment. L'outil du Madara, alors qui va-t-il cibler? Ouais. Oh, Joe esquive, incroyable. Étonnant de ne pas avoir l'outil Karine. Puisque c'est. De toute façon, Karine, elle va lancer une attaque. Enfin, un soin. À chaque ulti adverse, donc bon. Ok. On diminue le crit, ça c'est. Mine de rien, c'est plutôt intéressant. Parce qu'il fera moins de dégâts et donc du coup, normalement, on devrait s'en sortir. Parce que cette composition, c'est vraiment une compo qui tient sur la durée, bien sûr. Ok, ça peut être de plus en plus complexe. Ok. On est contrôlé. Ah non, j'aurais dû viser notre ami Obito, je pense. Ok, j'essaye de donner un peu de soin. Ok. Poc. Ah, va falloir faire attention à tous les poisons qui m'infligent. Il y a les poisons, il y a notamment les dégâts aussi. Ok. Alors, j'ai pas de CD, mais en fait, si. Ah, ça peut. Ça. Ah, c'est peut-être une défaite. Enfin, c'est certainement une défaite. Il y a trop de poison sur ma tête. La Karine, elle va pas pouvoir heal. Parce que le Madara, il va sans cesse mettre une poursuite qui va être problématique. J'ai perdu Fugetsu. Oh. Et il passe. Incroyable. Mal, bien sûr. Et on va agresser un peu la Karine du coup.
enfin avec la carrière, si jamais c'est possible. Oh. Il va peut-être l'interrompre. Certainement l'interrompre même. Ouais. Ok, il retire la graine du terrain. Pourquoi pas? Oh, le petit cendre, le petit main va succomber malheureusement. Voilà, c'était en haut, évidemment. Ah, peut-être que finalement, au bout du compte, on aura peut-être assez de dégâts. Peut-être pas. Peut-être pas, du coup. Non. Il n'y aura pas assez. Oh non, j'ai pas pu le petit. Ah, ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. J'ai pas appuyé assez tôt. Et le bon Madara qui fait le taf. J'ai pas pu résister assez malheureusement. Dommage. Ouais, on va voir si c'était qui. Allez, le bon Madara. Le bon Madara. Ok, alors on va y aller en compétition Naruto, bien sûr. Oui. On va dire que oui, que c'est plutôt pas mal. Au niveau des poursuites, de toute façon, peut-être celle-ci qui est intéressante finalement, contre toute attente. On va changer un peu. Allez, à tout de suite. Lord Raven, qui est mon adversaire, donc Kimemaro, Hiruzen. Azuma, bon d'accord, la composition classico-classique. Et bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de Naruto en face, donc on y va. Bien sûr. Avec le petit Kizame, bon. Ça va finir par faire le travail. Et puis voilà. Et puis voilà. Et bah écoutez, très bien, donc du coup, je crois que 5 victoires des deux côtés, donc excellent, incroyable. Donc écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu, et puis vraiment, je vous dis à très bientôt.